cet été, tu as failli quitter le club de West Ham. Tu étais même parti le dernier jour du mercato à Rennes avant finalement rester à West Ham. Peux-tu nous raconter cet épisode? J'ai toujours envie de partir. Moi, je l'ai toujours dit. Je ne le cache pas. Après, que les fans soient contents ou pas contents, moi, j'ai dit que j'avais envie de changer d'air, que j'avais envie d'aller voir autre chose par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai vécu 3 années bien jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu des moments inoubliables à West Ham. D'autant plus que j'ai même appris aujourd'hui que j'étais le meilleur joueur le meilleur buteur du club de tous les temps par rapport au nombre de matchs joués. Je peux être content, mais après, j'ai juste envie de changer d'air, d'aller voir ailleurs. Et je pense qu'en France, ça serait bien pour moi de me relancer encore à nouveau. Et pourquoi pas un jour revenir ici ou bien aller ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer d'air, c'est vrai. Mais racontez-nous un peu cet épisode, vous êtes parti à Rennes, c'est quoi cette histoire? Non, je suis juste allé faire la visite médicale à Rennes par rapport au club, par rapport à tout le monde. Je pense que les deux clubs étaient d'accord pour que j'aille passer ma visite médicale. Après, peut-être que le temps était court pour West Ham de me laisser partir puisqu'ils n'ont pas trouvé un autre remplaçant. C'est normal. Après, j'ai compris et je suis revenu ici. Mais ça n'a pas changé mon idée de vouloir partir. Quels ont été les mots du coach pour vous convaincre de rester? Moi, le coach ne m'a pas convaincu. Je pense que si je ne signe pas ailleurs, c'est que je dois revenir dans mon club. Et aujourd'hui, je suis juste content d'être là. Après, dans ma tête, moi, ma façon de voir les choses n'a pas changé. Après, j'ai vu que j'ai eu pas mal de sifflets sur le stade et tout là, des gens qui ne sont pas contents, c'est normal. Avant de venir à West Ham, j'étais dans un club avant. J'étais à Metz. Alors en partant de Metz aussi, certains supporters n'étaient pas contents, mais j'ai fait le choix de venir à West Ham. Et aujourd'hui, si je me décide à aller ailleurs, ça veut dire que j'ai juste envie de changer, mais j'ai rien contre eux ou par rapport aux joueurs ou à l'entraîneur. Mais personne ne m'a convaincu.